sans culotte. Quand vous vous mariez demain, Mitch et Héloïse, vous êtes ses prochaines victimes. Tu finis pas trop tard? Je finis juste ce verre et j'arrive, ma chère. Tu l'as trouvé? Et puis c'est pas de ma faute si Mitch nous met tous dans la merde en se barrant! Je m'installe ici jusqu'à ce que j'ai retrouvé Mitch. Tu as voté qu'il était parti avec une autre femme que toi. Tu crois que c'est possible? Tu crois qu'il est parti pour quelqu'un d'autre? Non. À part toi, y a jamais eu personne. C'est à toi? Rassure-toi, Mitch est pas parti pour une autre coluche. J'avoue que ça me rassure quand même. C'est beaucoup plus simple que ça, il s'est fait assassiner. Quoi? Par la mariée sans culotte. C'était bien après que tu sois parti te coucher. Bon, moi j'étais sorti secouer Jésus, normal. Amen. Et c'est là où je l'ai aperçu. La mariée sans culotte. Elle était là, je l'ai vue. Elle a fait un signe à Mitch, il s'est retrouvé comme happé, comme attiré, tu vois, comme ensorcelé. Impossible pour lui de lutter à ce moment-là. Aide-moi, Chris! Quand il arrivait à sa hauteur, elle a sorti ses doigts crochus, là, et ses ratiches qui pérave. Et après... Oh! Et après... Bah après, elle lui a bouffé le cul. Pardon? Ah mais non! Pas des trucs cochons avec des doigts dans la rondelle et tout ça, non, non, rien à voir. Non, non, elle l'a bouffé au sens propre. Elle l'a mangé, quoi, c'est ça que j'essaie de te dire. T'as vu Mitch se faire manger par un spectre? Hein? Enfin, un! Moi, j'étais parti en courant depuis longtemps. Tu me connais, sécurité avant tout. Hein. Mais c'est forcément ce qui s'est passé. Hein. C'est ce que racontent toutes les histoires. Merci, Chris. Ah, mais attends, et c'est pas des conneries ce que je te raconte. Hein. Papa, il m'a toujours dit, hein. D'abord, elle attire les hommes, et ensuite, elle les bouffe. Même qu'après, elle fout sa culotte dans leurs affaires. Elle quoi? Bah, elle laisse sa culotte dans les affaires de ses victimes. Comme une serial tueuse, quoi. Pour signer son crime. Bah tiens, oui, c'est tellement plus pratique, hein, d'accuser les femmes, ces vilaines castratrices. C'est effrayant, elles veulent faire des projets. Non, il vaut mieux rester dans son canapé tout le dimanche après-midi, dans un jogging bien dégueulasse, à bouffer des cacahuètes pourries, à mater de la merde à la télé. Alors, ma question, c'était à quel moment tu as vu Mitch ce soir-là? Mais ce soir-là, c'est comme tous les autres soirs. Je suis désolée de te le dire, un mec, quand ça flippe, ça file. Il n'y a plus d'engagement possible aujourd'hui. On peut plus faire de projet. Je vais te dire, c'est pour ça que moi, au moins, j'ai le boulot. Le boulot, c'est la famille 2.0. Avec le boulot, je suis jamais déçue. Mitch. Ah, oui. Mitch. Je parlais avec lui à propos de la fin de son bouquin. On est dimanche après-midi, il fait super beau. On n'est pas sorti de la semaine, l'autre, il est calé dans le canapé, il veut pas bouger son cul. Et qu'est-ce que je fais, moi? Ben, je vais au boulot. Avec le boulot, au moins, t'es sûr que t'as pas d'emmerde. Après, il est allé ouvrir. Ouais. Alors, j'ai essayé de profiter un peu, en dansant tranquillement, hein, pour une fois qu'on s'amuse. Mais non! Quoi? Mais qu'est-ce que je t'ai déjà dit sur le respect, toi? Je suis un pétard de la crosse, moi, je pète des coups de ceinturon! Je vais te défoncer ta gueule! Fais attention, hein! Je vais te défoncer ta gueule! Mais alors, pas du tout! Déjà, je t'apprécie jamais une femme plus forte que moi, je suis pas bête. Et ensuite, c'est pas ce que j'appelle danser tranquillement, moi. Hein. Quand Mitch est allé ouvrir et que je suis arrivé, elle m'a agressé direct. Je veux un projet. Fais-moi d'affaire. Géraldine, t'as déjà fait des trucs cochons au travail? Moi jamais. Ferme-la, y'a mon frère. C'est là que j'ai calmement expliqué à Ralph que ça ne se faisait pas. Mais le respect, bordel! Respectez la creuse, le hard muset, de l'imitation de vitesse, moi! Et quand je croyais que j'en avais fini avec toutes ces histoires là. Donc tu vois bien, à un moment donné, je fais des efforts quand même. Tu me connais en plus, je suis moderne, tout ce qu'on veut. Mais d'un, c'est du respect. De deux, bah, j'ai des principes. Et de trois, c'est la faute des femmes, tout ça! Avec leur histoire de projet et compagnie, là, à nous mettre la pression. Papa, il m'a toujours dit un truc hyper important. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et il avait raison! Après, faut pas s'étonner hein, que les trucs, ils deviennent des spectres et qu'ils viennent bouffer le cul, tout ça. Hein. Moi, je suis pas étonné. Not how you're gonna be a man, man. Listen to your fucking balls for fuck's sake. What do they say? They say, listen, you cannibal, freaky ghost whore. You want that coffee? You gotta fucking pay for it, all right? I'm not your food. Say it. I'm not your food. Louder! I'm not your food! Let's get back to our subject. How to scratch one ball without hurting the other one? Hey. Oh! Bon, non, à couper. Bon, Héloïse, non, non, là, c'est pas cool. On était en plein milieu d'une prise, va falloir lui refaire tout son maquillage. Vous foutez de la gueule de qui, ici? Vos vidéos, elles ont rien à voir avec la théorie de Mitch. Vous devriez avoir honte. Parce que Mitch, il devrait pas avoir honte, lui, de nous avoir abandonnés, peut-être. De vous avoir abandonné? Eh, ça va, il a fait ce qu'il a pu, c'est pas de sa faute, hein. Ah bah oui, c'est sûrement la faute d'Elo, elle a voulu se marier. Non mais oh, c'est pas moi qui ai voulu me marier. Ouais hein. Bah au moins elle, elle lui a jamais fait honte en se comportant comme un garage à grains, ok? Mais c'est peut-être parce que lui, c'est pas un blédard jaloux. Mais ni elle, une traînée urbaine. Exactement, tiens. Musicien raté. Meuf qui pense tout le temps aussi. Normal, on fait jamais rien. Mais je suis trop jeune pour avoir un enfant, merde. Mais,
vous avez entendu, à un moment donné, c'est trop, enfin... Hé, hey, Hello, tu veux voir un truc rigolo? Non, Raph, c'est pas le moment, là. D'accord. Du coup, je supprime la vidéo que j'ai de la soirée. Géraldine, t'as déjà fait des trucs cochons au travail? Moi, jamais. Ben moi, tu sais, au travail, je nourris des cochons tous les jours, alors forcément, j'ai l'habitude. T'as des projets, tu viens danser? Je t'ai déjà dit, je suis trop jeune pour avoir un enfant, putain! Tu nourris des gorées aussi? Attends, ferme là, y'a mon frère. Et le respect, ça vous parle ou pas, là? Ça va, calme-toi, on s'amuse, hein. On s'amuse de quoi? Tu crois pas qu'il faut réfléchir un petit peu avant de faire des lardons, oui? Mais d'où tu me parles de lardons? Tu prends pour papa? Tu me connais pas, ok? Tu sais pourquoi? Parce que tu m'écoutes pas. Je te dis que je m'amuse, gros pédé. Bah, gros pédé, toi plus, déjà. Et ensuite, je suis ton grand frère, tu me dois le respect, d'accord? Vous stigmatisez beaucoup les homosexuels, vous, les provinciaux. Mais ferme-la! Le mec, il vient jamais à la maison, il vient jamais nous voir, il prend jamais de nouvelles et ça veut faire des leçons. J'ai tant tourné! Tu sais ce que c'est les tournées, je crois pas, d'accord? Donc, déjà, tu baisses ton volume, ok? Et ensuite, je fais ça pour la famille, d'accord? Ah bah super! Qu'est-ce que c'est la rockstar? Tu crois que tu t'occupes de la famille? Eh ben vas-y, dis-moi pour qui tu vas voter aux prochaines municipales? Parce que tu sais qu'il y a des élections bientôt. Évidemment que je le sais, et même que je vais voter. Je vais voter pour le maire actuel, tiens, Orion! Parce qu'il a toujours très bien fait d'histoire, lui! Ah ouais! Eh ben si tu savais qu'est-ce que c'est des histoires de famille, tu saurais que le maire, il veut nous virer de la maison pour construire un qu'est-ce que c'est dans Gare à Grain! Mais qu'est-ce que c'est ce qu'est-ce que c'est dans Gare à Grain, là? Bah voilà, viens pas me parler de famille alors, faut te fuir. Mais qu'est-ce que c'est là-bas? Mais laisse-la, putain, t'es pas papa! Bon, je vous l'accorde, c'était pas si rigolo que ça. Mais au moins, on a vu que Roxane, elle dansait normalement et pas comme un garage à grains. T'en penses quoi, Chris? Tu te sens coupable? Je suis un fond de fumier, chérie. Je suis désolé, je t'écoutais pas vraiment. Je suis désolé. Je suis pas toujours très diplomate, je sais. Mais moi, ce que je veux, c'est juste qu'on passe du temps ensemble. C'est tout. Je vais arrêter avec cette histoire de fantôme. Je me sens nul. Quand je parle de projet, c'est faire des trucs cool ensemble. Je vais pas te manger. Ça va changer tout ça, je te le promets. J'ai vraiment envie de consacrer du temps à toi, à ma sœur, à la famille à Châtelard. J'ai trop déconné avec la famille. D'accord. Mais tu sais, c'est toi qui me fais filer le pied avec cette histoire de gosse, là. Je sais. Un congé mat, c'est galère avec le boulot. Je suis pas prête à devenir mère, moi. C'est à moi de devenir mère? Chérie, c'est gentil. Mais même si tu prends un congé mat, ça reste galère. Non, non, pas mère-mère. Mère de Châtelard. Comme ça, je reste sur place. Je m'occupe de la famille, tout ça. Si je m'en sors bien, pas de fichu en gare. J'ai vraiment besoin de toi, chérie. J'ai besoin de toi pour la campagne, pour le marketing. On fait ça ensemble, tous les deux. Tu veux bien? Bon, c'est bien tout ça, mais ça nous explique toujours pas cette culotte. Je crois que si. Géraldine, t'as déjà fait des trucs cochons au travail? Moi, jamais. Ben moi, tu sais, au travail, je nourris des cochons tous les jours, alors forcément, j'ai l'habitude. Est-ce que je peux récupérer la culotte? J'aime beaucoup l'odeur, ça me rappelle... Une seconde. C'est qui, lui? Tu parles de l'homme qui a sonné à la porte? C'était qui? Bah, l'agent secret du gouvernement. French Ball est maintenant disponible sous la forme d'une application. Retrouvez toutes les lodrioles des fanfarons de la French Ball sur vos appareils portatifs.